Vu le prix de la viande, moi, c'est œuf, thon, avocat, poulet et du riz et des pâtes. Alors, dans ton cocktail, il y a trois aliments auxquels tu dois faire vraiment, vraiment attention. D'accord? Le premier aliment, c'est le thon. Donc, pourquoi le thon faut faire attention? Parce que, en fait, si tu veux, quand tu vas acheter du thon, souvent les gens vont l'acheter en boîte et c'est bourré de sodium. Donc, fais super gaffe à ça. Ensuite, le thon. Bah, c'est un aliment, enfin, c'est un animal plutôt qui va manger pas mal de mercure, okay? Donc métaux lourds qui vont se retrouver après dans ton corps. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas manger thon, okay? Mais je dis qu'il faut limiter. Donc si tu manges ça tous les jours, il faut faire attention. Ensuite, maintenant, le riz. Le riz, il faut faire aussi très attention, okay? Parce que beaucoup de personnes prennent beaucoup de riz, midi, soir, tout ça, et après, bah, grossissent bêtement à cause de ça. Donc le riz. Si tu veux, mais limite vraiment les quantités. Et après, les pâtes. Les pâtes, faire très très attention. Et pour moi, les pâtes, faut en manger que pendant ces cheat meals. Donc, ces trois aliments-là, vraiment à surveiller dans ce que tu dis. Ce que tu peux faire, vu le prix de la viande, comme tu dis, c'est ne manger plus d'œufs. D'accord? Rajoute plus d'œufs dans ce que tu manges et tu verras, tu vas pouvoir être en très bonne santé.